Bonjour, merci d'être avec moi pour ce nouveau tuto. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour les notifications. Alors, je ne vous fais pas un tuto complet, je vous fais une présentation en français à part pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit dans ce tuto. Et ensuite, je vous mets le lien du tuto en lui-même dans lequel vous aurez toutes les descriptions également en français. Alors, concours, je vous avais mis un petit sondage dans ma story pour savoir si vous vouliez gagner une grosse douille pour faire comme je fais moi souvent, vous allez le voir là dans le tuto, ou si vous voulez gagner un exemplaire. Pour participer au concours, ce qu'il faut faire, c'est faire une capture d'écran de ça. Et maintenant que c'est fait, vous allez me taguer sur dans votre story Insta. Donc, ce que vous allez pouvoir gagner, là, le premier concours, c'est ça, l'extrudeur, qui est hyper pratique. Moi, je ne sais pas faire sans. Parce qu'en plus, ce n'est pas pratique que pour faire les sacs, c'est vraiment pratique pour plein de choses. Moi, je m'en sers. Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est vrai que quand je fais du cake design, je m'en sers très facilement. J'avais fait le gâteau de Menzo et j'avais fait une espèce de corde tout autour. J'avais utilisé celui-ci parce qu'en fait, quand on le fait, ça fait une espèce d'étoile, mais quand ensuite on le roule, ça fait de la corde. Donc, c'est hyper pratique dans le cake design. Je vous mets toutes les instructions en barre d'infos. C'est très simple. Il faut juste être abonné à mon compte Insta, être abonné à ma chaîne YouTube et partager la capture d'écran de moi que vous venez de faire en story. Comme ça, vous entrez automatiquement le concours où que vous soyez. Vous pouvez participer. Pour ce gâteau, pour revenir à notre tuto d'aujourd'hui. Donc, on a un nouveau gâteau préféré. C'est ce que je vais utiliser maintenant, à partir de maintenant, pour le moment. C'est ce que je vais utiliser pour mes gâteaux de base. Et ensuite, si je fais autre chose, on verra. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser, que ce soit ici, en dessous de la vidéo, que ce soit dans mes DM sur Insta. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et encore une fois, cliquez sur l'autre. Moi, je voulais vous parler, je voulais vous faire un truc à part vraiment pour vous parler de ce tuto. Prenez le lien. Je vous mets tous les sous-titres, tous les machins. Je vous mets tout ça en français aussi. Voilà. Merci mes choux. Au revoir, à bientôt.